Et bonjour à tous, on se retrouve pour la mission 7 de la campagne d'Arnor, si je ne me trompe pas, et on se Les retrouve de Dunedain nouveau. d'Arnor pensent que l'attaque des elfes va leur permettre de récupérer. Le moment venu, Arnor pourra finir le travail commencé par les elfes. Mais il n'imagine pas à quel point la haine du roi sorcier est grande. Il envoie ses sorciers sur les sommets des grands rois d'Arnor. La profanation de cet endroit sacré risque de briser le cœur des hommes. Et pourtant, le roi sorcier a un projet plus sombre encore, celui de répandre un fléau à travers les terres des hommes et des elfes. Voilà, cinématique qui a cassé mon intro. Donc, on se retrouve donc pour la défense du Cardolan, en tout cas des tombeaux des rois d'Arnor. Ah, et cette fois-ci, on a un héros. Donc, ça Je manque un suis petit peu Carthaën, capitaine d'Arnor. d'héros d'Arnor. Devons trouver la source de la corruption qui ronge les Galgal. La source vient des sommets de nos tombeaux. Allons voir ce qui se passe. Donc, on se retrouve donc après Foncombe Soyez où on a vigilants. résisté à l'assaut. Restez calmes. Après l'assaut de Carndoom qui a été un Surveillez ces échec zones. par les elfes. Restez en Et alerte. donc là, on va Les devoir sorciers semblent être défendre proches. Je dois faire nos attention. ancêtres, hein, pour pas qu'ils deviennent des Galgal, hein, des spectres des Galgal. Restez calme. Je crois que l'ennemi est là. Oh, satané sorcier. Découpez-les! Découpez-les en petits morceaux, en petits Partez, quartiers. ordures! Jamais je ne vous laisserai corrompre l'esprit de nos rois! Bon, si on combat que des sorciers pendant toute la map, hein, je peux vous dire, ça ira vite, hein. Je dois à tout prix rassembler plus de forces pour éliminer cette vermine de ces Ah non, tu terres! vas pas te tailler. Ah non, j'ai eu peur, tu restes. Hein. Tu envoies un Ils sont peut-être éclaireur. proches. Si tu veux des renforts. Nous devons construire une base et récupérer tous les sommets qu'il possède. Ok. Ah ouais, une petite force de frappe. Devons-nous Ok, construire? donc on a la mission inverse de la mission 7. Donc à la place de devoir avoir tous les sommets, on doit Je sais bah, ce qu'il tous vous les faut. libérer. Par contre, je me Rejoignez-moi. souviens que Allons quand sauver Arnor. Langmar attaque, l'Arnor a plus de troupes que ça, quoi. Prenez cette zone. Ah oui, en plus, Soyez vigilants. on a un petit temps, donc on doit se dépêcher, en fait. Ouais, est-ce qu'une forteresse? Est-ce qu'on fait vraiment une forteresse? Parce que ça coûte beaucoup Pas d'argent. frais. Normalement, ils nous attaquent pas. Celui-ci est Enfin, terminé. j'espère. Nous Sinon, avons du on est travail. dans la merde, mais on va Nous avoir ne des pouvons unités assez prendre la rapides. ligne. Parce que je pense que je dois les empêcher d'avoir 1000 âmes, non? Pour prendre tous les sommets avant la fin du rituel. Là, ça, c'est un objectif. Bonus, reprendre et protéger ces sommets, trouver, détruire les trois hôtels de sorciers. Ok, donc il y a des bâtiments en plus sur la map. Soyez prêts. Les pouvoirs de Langmar sont assez OP, hein. Et les Il faut sorciers. construire ailleurs. Ils attaquent notre sommet. Meilleure unité du jeu, hein, Ne vous franchement. arrêtez pas. Tu vois, qui a Continuez le inventé cette combat. unité, franchement, trop cool. Après, c'est bien de l'avoir cette unité, mais c'est mieux de ne pas l'avoir en face, quoi. Préparez vos armes. Bon, Celui-ci en est tout cas, les terminé. sorciers, ils vont bientôt mourir, donc ça Nous c'est pas sommes mal. prêts. On va faire une caserne rapidement. Suivez-moi. Voilà, parfait. Alors on va avancer par là parce qu'ils parlent d'hôtels à détruire, donc j'imagine qu'ils doivent être pas très proches de Je chez dois faire moi, et attention. plutôt à l'opposé, quoi. Outil Sinon c'est pas prêt. drôle. Sinon c'est pas drôle du tout. Construisons. Par contre j'espère qu'ils vont pas attaquer ma base, sinon je suis dans la merde. Restez en position. En avant. Allons, soldats. Cet endroit immonde doit être détruit. Ils ont une base ici. Ah oui, merde! Oui, je pensais pas tomber sur la forteresse. Hein. Oh non, pas. Ah. Ah, je déteste ce pouvoir. Ça se passe moyen. Hein. Vite, vite, refaire des hommes. On va faire une armurerie, je pense que ce sera un petit peu obligatoire. Faites-moi ça. Personne ne sera épargné. Quoi? Même pas tes propres hommes, mais c'est pas sympa ça. Est-ce qu'il y a des hôtels sans piquer? Ouais, je préfère un petit peu de cavalerie. On va essayer de se la jouer quand même stratégique, un hein, minimum. Hein. Allez, Carthaïne. On voit tout seul comme ça. S'il se prend des pouvoirs, lui c'est moins grave. On va améliorer le bâtiment, on va faire de la cave, les armures sont en route.
C'est parfait, c'est parfait. Soyez vigilants. Bon, par contre, pour détruire la base qui se trouve là, j'ai pas trop les moyens. Je pensais qu'il y aurait que un ou deux bâtiments, mais là, forteresse plus truc, là, c'est un peu compliqué. Attention. Ah, Allez-y doucement. une tour. Surveillez cette zone. Surveiller Vous cette êtes trop zone. proche. Leur sort est Bon, on va scellé. d'abord libérer peut-être les autres collines. On On va doit tuer faire ces attention. sorciers Ne qui les sont laissez pas là. approcher. Est-ce que ça one-shot ça? Restez calme. Ouais, Vous restez parfait. groupés. Ils sont peut-être proches. Ah, il renvoie des sorciers à chaque fois. Comment utiliser les écureuils? Hein, les petits malins. Soyez vigilants. Allez. Allez-y doucement. Surveillez cette zone. Y a pas deux unités de piquer? Ah si, elle est là. Satané tour! On nous interdit de faire des tours maintenant qu'on joue Langmar. Par contre, eux, ils s'autorisent à faire des tours. Hein. Oh, je supporte plus. Oh non. Mais pourquoi il tape direct mon armurerie? Putain. Les salauds là. Ah non mais. Ah mais il faut qu'il se mette bâtisseur en fait. Ah. Oh je sens. Je sens qu'elle va être insupportable cette map hein. En vrai. Hein. Merde. Si je perds lui, je suis vraiment dans le rang. Allez, on réunit nos forces. Ah, ils sont là, ces sorciers. Par contre, s'ils sortent vraiment de tous les côtés, ça risque d'être compliqué. Hein. Si je perds mon bâtisseur, je suis dans la merde aussi. Hein. On est une unité de cave. Peut-être proche. L'attaque a commencé. Restez en alerte. Repoussez-les. Ne les perdez pas. Nous prendrons cette route. Au plus vite. Bon, ça devrait le faire par là. Là, on a enfin tué les sorciers. Vous y allez, flèche enflammée. Allez, prenez. Ah, j'ai trouvé un antre. Un antre de sorcier, ça peut être pas mal, on va y aller. Par contre, ce que je vais faire, c'est me faire quand même une petite base avancée, je pense, au cas où. Allez, voilà. J'ai plus d'argent. J'ai pas d'argent et j'ai pas de troupes. Parfait. On est bien. Je m'en fous, je tape à qui. Détruisez ces. Ouais, je suis en train de les détruire. Pour un niveau 15, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, ce qui me manque en vrai, c'est des troupes. Ah merde! Ah, oh, ça me saoule à chaque fois, je peux pas utiliser. J'ai des tests. Ils sont où? Ils sont là, c'est vicieux. Bon, en vrai, la tour, elle a la flemme de la détruire. Tirez vos lames. Bon, je mets une unité dans les tours, refais des hommes, et je réunis tout là. Voilà, vraiment des sorciers qui viennent de tous les sens, insupportables. Bon, normalement il survit une charge, même plus qu'à une charge. Voilà, parfait. Mon celui-là était assez facile à libérer, ça change. Donc est-ce qu'il y a un autre entre à ce sorcier? Il doit y en avoir un là, si ça arrive par là du pire.
Allez, c'est bon, on a libéré un sommet. C'est comme ça qu'on est libéré sommet. Hein. Pas de thunes sur cette map. Hein. J'ai l'impression d'être tout le temps pauvre. Pourquoi je peux pas mettre les armures? J'ai débloqué les armures. Ah non, je les ai pas débloquées, je croyais. Ah, j'étais pas la thune. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous craigne. Ah bah ça se voit pas trop. Et tapez, soyez pas con. Anti-piqué en plus. Rassemblez-vous, Dinodar. Vous faites soyez vigilants. Oula. Je dois faire attention. Restez en alerte. On est garde. Faudrait un puits, j'ai pas de puits. Ce truc là, j'aime pas ce bâtiment là. Moi je veux un vrai puits. Ne vous arrêtez pas, bah oui, bah je voudrais bien des hommes. Hein. Allez, bon, hop. De toute façon, pour que ce pouvoir marche, il faut qu'il reste immobile et les sorciers restent même pas immobiles. Qu'est-ce qu'il faut hein? Ah non, ils vont pas viser ma cave. Hein. Bon, ils ont fait un pouvoir dans le vide, c'est parfait. Un tour de défense, tour de défense. Ouais. Ouais, tant qu'ils ont que des tours de défense, ça va. Armure lourde. Bon, ça arrive pas du nord, j'ai l'impression. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, vous allez vous mettre là-dedans. Tac. Bon, on a presque un bataillon entier de d'archers, donc ça, c'est déjà pas mal. On a un bâtisseur qui est pas mort. Là aussi, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on progresse là. L'armure lourde est prête. Ah. Pourquoi ça arrive toujours en masse là comme ça? Franchement, les volets de flèche ils servent presque à rien. Oh. Heureusement. Merde. Par contre, qu'est-ce qu'ils font, eux? Oh, on va refaire des... Mais... Eh oh! Ouh! Faut absolument que je tue tous ceux qui peuvent être sacrifiés pour les sortilèges. Voilà, c'est... S'il reste survie pour l'instant, je m'en fous un peu. Allez, pète les bâtiments. Ouais, c'est pas mal. On va juste reprendre cette colline rapidement. Ouais, ouais, on est pas si mal. Bon, après, j'ai peur de me taper une contre-attaque, là. Et vu peu de thunes et la base de merde que j'ai. Ah, fait chier. Vous n'allez pas mourir contre la cavalerie, c'est de la honte sinon. Il y a de la chance, il y a respawn là, le porte-standard. Parce qu'en vrai, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Bon, GG à toi. Oh non, 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 comme bâtisseur. On est qu'un. Il me laisse tranquille. On va péter la tour. Hein. Stat année 3. J'ai combien de fermes pour avoir de l'argent un peu? On va les faire foncer dans les piquets. Vas-y, foncez dans les piquets. Oh là là. Ah, les pires. Il me faut des trébuchets.
Ouais, en vrai, je peux y arriver. Peut-être juste faire les lames forgées au cas où. Et je sais, il y a encore des unités là-dedans, mais je me dis au cas où, ça peut toujours servir. Il y a un bâtiment là. Pas possible qu'il sorte de nulle part. Il est où le bâtiment? Il y a un bâtiment, je suis sûr qu'il y a un bâtiment. Il est là. Allez, on pète tout. Ça m'a saoulé. Bon, toi, tu restes là. En vrai, t'es bien, tu tuais sur ce qui arrive. C'est plutôt pas mal. Allez, on pète. Y a plus de sorciers sur les tours normalement. Ouais, j'ai presque envie de mettre des tours sur chaque colline pour être sûr d'être tranquille. Toujours pas d'argent. J'ai l'impression que toute la campagne, je suis pauvre. Hein. Moi, je voudrais bien une mission où on a de la thune. Continuez le combat. Allez, toi, tu vas là-dedans. Quelle unité qui a besoin d'être soignée, toi aussi tu y vas. Donne ça au cas où s'ils attaquent ma base juste après, parce que ça m'étonnerait que la mission soit terminée après ça. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau pour que ça arrive. Ah, ça a les sorties. Pas d'autres sorciers là dans le coin là, hein. Bande de vicieux personnages. Je dois faire attention. J'imagine bien. Je sais pas pourquoi je fais des tours là, mais je me dis au cas où voilà, on a de quoi défendre la base. Voilà, c'est pas compliqué. Enfin, non mais y a autre chose. Hein. Je sens qu'il y a autre chose, ça m'énerve. Bon, vous allez au milieu. En plus, ces sorciers, je les vois même pas. Eh oh. Ah bah souris qui veut ou... Les unités ne m'écoutent pas. Ah quand même. Ah ils sont là. Je vais les empêcher de reprendre les collines ou c'est quoi le truc? Ah. Ok. J'ai oublié un bâtiment. Bon, au moins, j'ai un peu le temps de me préparer. Lui, on va le mettre dans une tour au cas où. Ah, ils font pas mal de dégâts. Là, je suis content. Vous étiez dans les trois coins de la map. Hein. Reprendre tous les sommets avant la fin du rituel. Non, ouais, ça j'ai fait aussi. Ah! Ennemi se prépare à nous attaquer sur les sommets. Défendez le sommet royal à tout prix. Ok, bah en fait, ok. Heureusement que j'ai mis mes unités au milieu comme ça. Par contre, je vais éviter de tout paquer parce que s'il y a des sorciers là qui arrivent avec leur déluge d'âme ou je sais pas trop quoi. Et on a ça qui va encore arriver en renfort. On fait porte-étendard encore. Cavalerie, elle arrive. Et vous, au cas où, je vous mets derrière. On améliore les bâtiments. Si j'avais un porte-étendard, on va y mettre à toutes les unités qui en ont pas. Moi, je pense qu'on a été pas trop lent.
Ok. Il essaie de reprendre. Oui, sommé. Bon bah on va reprendre tous les sommets, hein. Pas de soucis. Hein. Ah parfait. Bon, faut absolument tenir le sommet royal. Pour l'instant ça je le fais bien. Par contre, j'avais invoqué des rôdeurs. Mort de quoi. Bon. J'ai tenu un sommet. Deux. Bon, deux, c'est une bonne moyenne, non? Sur le sommet royal. Nous devons vite y remédier ou tout est perdu. Ils se souviennent de nous. Ils sont aussi ici. Il y a des troupes sur le sommet royal. Ah, il faut un assaut. Ah, ok, il y a un assaut final. Ah, là, ça fait plaisir, petite voix de feu. Bon, cavalerie qui se suicide, c'est pas grave. Ouais, bah je suis en train de tuer, hein, Walder. Ah, bah voilà pourquoi dans un cinématique il dit ils envoient ses fidèles lieutenants Walder. Enfin, un gros gars, il est pas là, mais au moins il y a Walder. Bon, Walder qui a échoué. On peut reprendre. Protéger le sommet. J'ai plus contre de rien là. La chevalerie est en marche. Ne les laissez pas s'approcher. Ah. Morgomir est arrivé avec des hommes en renfort pour venir en aide au sol. Ah. C'est moi, j'ai fini. Non. Recherchez des traces. Ok, on devait juste résister à l'assaut de Walda. Parce que les autres sommets, on s'en foutait hein, au final. Ah qui a rien dit à Boïg de Morgomir. Oh pauvre Carthaine, est-ce qu'il méritait vraiment ça? Ah, la cinématique s'est un peu mal faite, normalement il le poignarde avec la lame de Morgul, comme ça dès qu'il meurt, paf, spectre. Bon il faut avouer qu'il est le spectre avec le plus de classe. Hein. Le châtiment de cet homme est exemplaire. Son dévouement durant sa Morgomir qui regarde derrière, il y a quelqu'un qui regarde? Non. Donc son âme torturée hantait les chefs de nos ennemis. C'était pas mal, c'était pas mal. Bien qu'il ait combattu avec un courage rarement égalé chez les hommes, le jeune capitaine d'Arnor connaît un sort pire que la mort. Et aujourd'hui, il sert la couronne de fée. Le redoutable fléau qui a frappé Angmar s'est répandu partout. Il a touché le cœur d'Arnor et a affaibli la défense déjà fragile des Dunedain. Mais le roi sorcier ne sera satisfait que lorsqu'il verra Arnor enfoui sous les corps et le sang de sa jeunesse. En fait, je crois que je viens de comprendre un truc pourquoi il y avait Waldar qu'on devait tuer, parce qu'en fait, dans la campagne d'Angmar, après la mission de Khan Doom, il n'apparaît plus. Il n'apparaît ni dans cette mission, normalement, qui est l'équivalent de la campagne d'Angmar, ni dans Fornos, ni dans l'épilogue. Donc il l'a fait mourir sur les tombes des rois d'Arnor, juste avant l'arrivée de Morgomir. Donc 23 minutes, hein. C'était plutôt sympa la mission, on se retrouvera donc, que c'est la dernière l'évasion, peut-être, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. En tout cas, on espère du beau jeu à la prochaine avec l'évasion, je pense que c'est la dernière. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, allez, à plus.